Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on sera sur le serveur de Monsieur Rasuper en police. Le type de la patrouille sera une patrouille CSI. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Twitch où de temps en temps je fais des lives ou des streams. Hein. Et donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo et une bonne journée. Mais il sait très bien qu'il bah, il a tout enlevé sur lui bah oui. Et il a pas d'argent pour payer donc c'est très bien. Je vous jure, il vous arrive à rien, je vous donne ma radio, machin, rue, mais bien sûr. Ouais, c'est ça. Oui, je vais le faire parce que j'ai pas trop le fait ça. Ça doit être eux, je pense. Permet de fouiller le véhicule, il est mal stationné. User joined your channel. Monsieur, s'il vous plaît. User left your joined your channel. Ou qui nous avait appelé du coup. Du coup, ils ont fait quoi en fait D'accord, vous savez qui? Ah, il me semble que c'est une personne habillée en jaune. D'accord. C'était la RS6 à côté là. Enfin, la R8 ou je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est eux, je crois. D'accord, ok, ils sont à l'intérieur. Ouais, et le DP s'est glissé sous la dépanneuse et il y a eu un problème. D'accord, Sous un véhicule et il y a eu un ok, tremblement de c'est la terre. personne en orange là-bas qui a Oui, c'est lancé les ça. fumées? Okay. Messieurs, vous mettez contre le mur s'il vous plaît, tous les deux, contre le mur s'il vous plaît là-bas. La session, on va procéder un contrôle contre le mur s'il vous plaît, je suis pas contre votre collègue. Mettez un petit peu à côté s'il vous plaît. Côté encore. Merci beaucoup. Pour retourner, vous me présentez votre carte d'identité, monsieur. User left your channel. Martel, d'accord. Vous avez quelque chose de dangereux d'égal sur vous ou pas? D'accord, vous retournez, je vais ouvrir. D'accord, j'ouvre votre sac à dos, d'accord. On va faire une fouille. D'accord. Je suis CSI. Vous retournez, vous me présentez votre permis de port d'armes, s'il vous plaît. Il est dans mon véhicule, je peux aller le chercher. Il est juste là, mon véhicule. On va attendre. Ok, pas de problème. Là, bonjour monsieur CSSI, vous me présentez votre carte d'identité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. User left your channel. Quand j'étais derrière. Voilà. User left your channel. User left your channel. Vous retournez, vous m'ouvrez votre petite sacoche. Bonjour, excusez-moi, ce serait pour avoir de l'aide pour transporter la personne qui est là-bas. Un instant, s'il vous plaît, on est sur un contrôle de police là. D'accord. Quelque chose de dangereux du gars sur vous? D'accord. Vous retournez, s'il vous plaît. Oui. Actuellement, 16h13, vous êtes placé en garde à vue pour possession de drogue. Vous allez dire pour aller sera revenu contre vous. Vous avez le droit à l'assistance d'un médecin ainsi que boire et manger. Vous avez compris vos droits, monsieur? Ouais, tout à fait. D'accord. Mais justement, bah, ça... Parce qu'on peut partir du principe que c'est tolérable d'avoir juste une consommation personnelle sur soi. Ah, c'est... Au lieu d'être du trafic, c'est de la détention, monsieur. Oui, non, mais... Dans tous les cas, la possession de drogue, monsieur, ouais, c'est illégal. La drogue, c'est illégal. Oui, non, mais j'entends très bien ça. Je dénie pas que c'est complètement illégal et que je ne me dois vraiment pas d'avoir ça sur moi. Et tout simplement, demander éventuellement l'amabilité de fermer juste les yeux sur. Dans votre véhicule, vous avez quoi? J'ai absolument rien. C'est vraiment juste une consommation pour la journée. On nous a appelé pour venir ici parce qu'il y avait deux personnes qui étaient en train de lancer des fumigènes dans le QG d'épée. Ah, d'accord. Apparemment, on a eu des témoins qu'apparemment que ça serait une personne en jaune. D'accord. Donc j'aimerais bien avoir des explications sur ça et après on verra.
D'accord. En moins. En jaune d'ailleurs sur le moment, en fait. Vous pouvez me donner des explications sur ça, messieurs. Ah, moi, On voit, moi, apparemment, moi. c'était dans le garage du DP où on arrive, on voit Ah, mais sortir ça, du c'est une garage. fuite, monsieur. C'est pas une fumée. Tout à l'heure, il y a le DP qui a ouvert ce truc, le pot d'échappement un peu fumé. Après, c'est pour les fumigènes, non? J'en ai pas entendu parler. Alors, vous restez là, Mais messieurs. du coup, Je vais aller voir le DP. Ouais. Vous voulez que j'aille chercher après la carte dans ma sac à Après, dos, monsieur, quoi? vous restez contre le mur, s'il vous plaît. Ouais. Bien les panneaux. Ça me fait écraser par ta voiture. Non. Ouais, tu disais. J'espère qu'il va bien le dépanneur et c'est quand même fait écraser par ta voiture. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai fait un massage cardiaque. J'ai massage Attends, cardiaque jusqu'à l'arrivée du secouriste et puis il a réussi à le réveiller. Par contre, il a vraiment mal au dos apparemment. Mais... Vu le poids de la voiture, c'est pas étonnant. Étonnant. Ouais, tout à fait. Je vais demander à mon collègue peut-être d'aller chercher ma sacoche, non? Il est juste là. Bah, il peut aller chercher, mais il reste de l'autre côté pour le moment. Collègue, tu peux aller chercher ma sacoche dans la voiture, s'il te plaît? Vas-y. Ok, hop. 44,35. Je la ramène, s'il te plaît. C'est mon port d'armes, hein, qu'il me faut. Comment t'as trouvé la sacoche? Elle était côté passager. Il y avait mon port d'armes dedans. Bon, je peux la prendre, monsieur agent? Là, vous aurez pas la porte si vous la donnez à travers la grille. Donne, merci collègue. Et du coup, je vous la donne. Vous l'avez reçu? Ok. J'ai reçu, vous restez contre le mur, s'il vous plaît. Pourquoi? Monsieur l'agent? Oui. Ouais, donc apparemment, ça, y a, le dépanneur a pas de souvenir qu'il y ait des fumigènes ou que son véhicule a flambé. Le monsieur dehors, il est encore là ou pas? Ah ouais, il y avait une personne. Attends, qu'est-ce que vous dites? Déplacer son véhicule sur une place, une vraie place, parce que là il est pas. Il y avait personne, il y avait du monde tout à l'heure. Et... Bah, si vous avez les clés, oui. Oui, il a les clés. Il me l'a réparé au passage, du coup. Et tu disais quoi? Parce qu'il y avait monsieur qui me parlait en même temps. Du coup, le DP et l'ambulancier, ils ont pas eu d'écho qu'il y a eu de fumigène ou que le véhicule a fumé. Donc, du coup, apparemment, truc. Et le monsieur qui nous a appelé, il est parti ou pas là? Non, il est toujours là, je crois, de l'autre côté. Il était encore là-haut. User left your channel.
me la réparer? Ouais, c'est bon, je suis là. Ok, merci. Ça c'est pour moi, dis-moi. Yo? Ouais. Pour moi c'est inter. Tout à fait. T'as des pilotes d'un hélico, c'est que moi. Ah, tout à fait. C'est que moi qui peux faire ça, atterrir sur l'eau. Hein. Ou atterrir sur le mont Titicaca. Allez bien, monsieur le dépanneur. Mmh. Oh. Ouais, ça va, il va s'en sortir. Il était conscient, pas de problème. Il aura pas de perte en tout cas. Pardon? J'espère qu'il aura pas de perte de mémoire, de même de ses gens. Non, non, ça a l'air de. Non, non, c'est vraiment au niveau de. Ah, j'espère que c'est pas sa colonne vertébrale qui est touchée, mais bon. C'est quand même primordial pour son boulot. Ouais, c'est clair. Collègue, tu veux que je te la bouche, t'as arrêté quelque part ou... Non, c'est bon, reste là. Je vais la reprendre après. Je vais aller faire un petit tour avec la tour. Hein. Je sais que t'en as envie. Regarde, tu lui dis faire un tour avec la R8, regarde ce qu'il fait. Ah, mais. Hein. Je transporte, si vous voulez parler au DP, je le transporte à Flash Flash. D'accord, ça ne nous dérange pas trop. D'accord. Viper, va falloir sortir un hélico, je pense. Pourquoi? Trois véhicules bloqués dans l'eau. Non, super, on va voir ça après. Ouais. User left your channel. J'attends juste que le monsieur m'envoie une photo de ce qui s'est passé. Même pas été un petit tour avec la R8, tu vois, j'aurais cru, on le connaît pas. Ouais. C'est des voitures comme ça, les gars. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Excellent.
de l'agent, c'est possible d'aller aux toilettes? Négatif, pas pour le moment, monsieur. J'ai une petite envie urgente, en fait. User left your channel. Vous aurez une photo Mewtwo, capitaine, non? Non, pardon. Oh, je vous laisse gérer l'affaire. Je vous laisse gérer l'affaire. Oh. Du coup, monsieur. Monsieur. Vous avez vu une autre personne en... habillée en noir ici ou pas? Une autre personne habillée en noir. Pas notre collègue, mais. Mis à part notre collègue qui était avec nous, la troisième personne. Personne. Il y a une personne dehors. À part la personne qui avait une Ford Mustang. Enfin, non. Si c'était le propriétaire, il y avait une personne qui était à côté, mais. Une autre collègue. Et le véhicule R8, il est où? User left your channel. Chose de dangereux d'illégal dedans. Donc, comme vous avez que 1 gramme d'héroïne, je veux bien vous les passer. Ah, vous êtes bien gentil, monsieur. Cependant, vous m'ouvrez le véhicule et vous montrez qu'il n'y a rien d'illégal dedans. Le mien deux, ou... Alors, le mien, justement, il est en révision, il est dans l'entrepôt. Ah non, le celui qui est dehors. Ah, pas de problème, c'est le mien. Vous me donnez votre gramme que je puisse le détruire. Oui. En 400, s'il vous plaît. Pas de soucis. Voilà pour vous. Monsieur. Oui, vous suivez mon collègue, s'il vous plaît. Moi? Ok. Oui. Parce que je pense qu'il est pas sûr. À proximité, c'est lui qui jouait de la radio. Ah, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Oui. C'est le véhicule à qui? Ah, c'est le mien. Pourquoi il y a quoi dedans? Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous avez des cônes dans votre véhicule? Ah bon? Je les ai pas enlevés. Allez voir avec le collègue, avec votre collègue. Monsieur, vous venez avec moi, s'il vous plaît, monsieur oui. Klaxon. Oui, voilà, comment ça se fait que vous avez un chargeur de 30 balles en 5,56? Je vais aller voir l'autre véhicule avec le... Parce que c'est des chargeurs qu'on m'avait prêté pour mon arme et que c'était, ça rentrait pas dedans, du coup. Il fallait que je les redonne, mais... Vous êtes dépanneur ou agent de la DIR? Je suis agent de la DIR. J'ai fait un peu pas mal de métiers, mais en ce moment, je suis agent de la DIR. Oui, je peux vous montrer ma carte. Non, c'est bon, vous restez pour l'instant contre votre véhicule, monsieur. Ouais. Donc, j'ai pas le machin. Donc, monsieur, 18h29, à partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue, tout ce que je n'ai pas être tenu contre vous. Vous avez le droit de demander l'assistance médicale au commissariat, vous avez le droit de demander à boire et à manger, mais par contre, malheureusement, il n'y a pas d'avocat d'officiel sur le lit, donc vous ne pouvez pas en avoir. Est-ce que vous avez compris vos droits? Oui, mais j'aimerais d'abord savoir la raison pour qu'on m'arrête. Objet illégal dans votre véhicule, monsieur. Ah bon? Quel objet illégal? Bah, votre le chargeur de 5,56. Ah bon? C'est illégal. Ah, c'est totalement illégal, monsieur. Ah bon? Vous avez donné déjà les clés de votre véhicule à mon collègue ou pas? Non. Vous retournez, je vais vous démonter, vous allez me passer les clés de votre véhicule. 25,89. Si, je vous laisse vous retourner.
Merci beaucoup. Et ça fait comme bêtise, ça. Bah, j'avais des chargeurs apparemment illégaux, je savais pas. Okay. Tu te laisses prendre son véhicule, parce que je crois que le seul dépanneur est du côté. Yes. Au revoir, monsieur. Bah, au revoir, collègue. À bientôt. Oui. Et donc, je peux pas vous dire au revoir, mais. J'ai saisi les objets. Ça marche. Alors, vous me suivez, s'il vous plaît. Vous retourner, bien sûr. Vous avancez deux pas en avant, vous déposez vos affaires au sol, vous faites deux pas en arrière, s'il vous plaît. Vous rangez votre arme. Oui. User left your channel. Je vais ramasser vos affaires. Pourquoi vous avez un avertissement gouvernemental? C'était il y a un peu de temps, sans faire exprès, j'ai donné j'ai voulu passer un lockpick à mon ami, sauf que je l'ai donné au mauvais RIB et je l'ai donné à un gendarme. Et qui était bien sûr pas à côté de moi. D'accord.
Ok, alors. Donc, le montant de l'amende s'élève à 20 000, monsieur. Elle vous sera proposé 3 fois. Si vous voulez la troisième fois, vous refusez. Vous serez mis en prison. Et si par la suite on remarquera que vous avez l'argent, alors vous avez refusé de payer, ça sera un exil. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Oui. Signer. Pour l'objet, monsieur, je vais aller sur un avertissement gouvernemental, donc verbal. Si je vous revois avec, je serai peut-être moins clément la prochaine fois. On est bien d'accord? Je vous laisserai accompagner monsieur à la sortie. À quoi, s'il vous plaît, monsieur? Journaliste de police. Ouais, du coup, vous avez réussi à voir la troisième personne ou pas? Ça donne quoi pour l'hélico? Il faut repartir ou pas pour là? Au revoir, monsieur. Négatif, du coup, on n'a plus le temps de le sortir, journaliste a pu le faire. User left your channel. On saisit la R8 ou pas? Y a aucun motif pour la saisir. On va garder un fouilleur local. Ok. Il reste au commissariat, mais il a récupéré à partir de la prochaine tempête. Ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Hein, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch. Le lien figure donc dans la description. Au-dessus, il y a quelques vidéos. Et bien sûr, de temps en temps, je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.